Philosophiquement,
más o menos es la forma de movimiento que se dio un desastre. Donc je prends courage, je voulais venir te témoigner ça, de la voir mettre, tu ne seras jamais, alors jamais ça. Alors jamais ça. Ça m'a donné vie, du voir, tenu contre les mains, le ramène, qui est un monde de son opinion. Maintenant, je vous do do bone ke sa lidon do ni ni na yare ti o kunti da ta do lu fan ta sa fan ta sa mai sa so don ko ke ham na ni ma wa si de ma ko de prema do lu la ti mo te di man na ni o te ma ni ro ko set lo am courage de te di la set e di de pour pour si la ni mi wa tout le monde c'est 4 minutes. On pourra le faire. Oui, ça. Et voilà. Comme nous nous sommes avec nous, de la vie. Je vais vous le dire, mais ça me fait le faire. Mais tu m'as dit, c'est du rôle qui n'est pas du rôle. Je vois des gens. Quand je te regarde, je vois Ngoné, Abid, voilà, qui est parti, fort matière. Donc, depuis le début. Et nous, on va mettre ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une épreuve qui peut être traversée. Moi, je suis dit, vous voulez force, je vais combattre, Inch'Allah. Parce que depuis le début, vous voulez l'ordre de l'âme. Moi, vraiment, depuis le début, il y a deux semaines, j'ai invité Kinala, je ne sais pas si je vais vous parler, je vais vous parler de performance. Je vais vous parler de la vraiment, je vais vous parler de je vais symboliser aussi, tout le temps, relation entre Yaya et toi. Ouais. C'est très important. Parce qu'au-delà de Yaya et Yoy, ce que vous renvoyez ici, c'est une relation que vous connaissez Yaya et Dom Bingora. Et si vous faites quoi du moment direct, vous savez Yaya Gémi, vous êtes avec qui moi Yaya. Mais vous m'y mettez, vraiment, vous avez une relation. Il y a deux gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Pour moi, c'est des opportunités comme ça. Le moins de Québec, c'est de nous donner ce que nous avons fait. C'est une opportunité pour nous. Pour nous. Nous avons fait. Parce que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Donc, nous avons fait un peu de temps, et tu le sais. Voilà. Donc, nous avons fait une chambre qui convient à la sensibilité. Tout le monde est là, mais nous avons fait une chambre. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Offre de bien. Pour nous faire un peu de temps, mais pour que nous nous représentions ici. Donc, aujourd'hui, nous avons fait une chambre. Accompagnement émotionnel, logistique, le plus important, c'est Inch'Allah, je pense que nous avons fait une campagne de guerre, nous avons fait merci beaucoup, je pense que bon, tout le monde est au courant que quand même Kumba Kaolo Sek, la grande Kumba Kaolo Sek, la voix Kumba Kaolo Sek, à des difficultés. Ça, c'est l'émotion nationale et internationale que tous les gens ont ressenti ces jours-ci. Donc, je me suis déplacé d'abord en tant que chanteur, passionné de la musique, respectant tout le travail que Kumba Kaolo a eu à faire et va continuer à faire, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui n'est pas
la moins importante. C'est que Kouba Gawlo est de ma famille. Je suis son grand frère, au vrai sens du mot. Les familles, c'est la même chose. Et je pense que si vous allez plus loin, la maman va vous expliquer un peu les connexions pour que cette famille, dans notre famille, ça je suis venu. Donc quand elle a un petit problème, comme ça, le grand frère doit se déplacer pour venir soutenir et demander, poser des questions et pour avancer avec elle pour résoudre ce problème. L'autre chose, je viens voir la personne, la femme qui a une entreprise, qui fait travailler des gens, qui a beaucoup de responsabilités. Quand cette personne-là s'arrête, quand cette personne-là a des problèmes, il faut venir la soutenir. Et donc, je suis venu pour ces trois raisons. Et je tenais à la voir d'abord directement et l'encourager, prier pour elle, écouter les conseils de notre chère maman, hein, et l'encourager pour lui dire que bon, tout ça va être réglé, Inch'Allah. Parce que on croit en Dieu. Et je pense qu'elle a eu à faire énormément d'efforts avant que cette chose-là soit publique. Et, tout à l'heure, maman disait que c'était encore beaucoup plus difficile. Ce que les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, Alhamdulillah, elle est là. On a juste le problème important de la voix. Inch'Allah, on va continuer à travailler pour que cela soit derrière nous et que Kumba reprenne le micro. Ses activités, l'influence que Kumba a autour de cette jeunesse et autour de l'Afrique soit quelque chose qu'on vit avec un rythme, hein, qui ne s'arrête jamais, Inch'Allah. Donc c'est pour cela que je suis venu. Donc je suis très content, je l'ai trouvé vraiment sereine, effectivement, ému. Nous sommes tous émus par les mots qu'on a eu à échanger ici. Et je suis confiant. Je suis confiant. Et monsieur le ministre, quel est votre sentiment après avoir vu votre soeur? Quel est le sentiment profond qui vous anime en ce moment? Moi, je n'ai pas de deuxième vision ou deuxième compréhension de Kumba Gawlo. Kumba Gawlo, c'est une battante. Un point, elle a du talent, mais c'est une battante. Comme on dit en wolof, Gourbam viendra. Si quelqu'un peut me dire, Moussoulou, tu es un battant, il peut dire la même chose, c'est une battante. Et donc, j'ai vu la battante ne sera jamais seule. D'accord, dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration pour plus tard? Mais nous, on collabore toujours. Toujours. Kumba Gawlo, chaque fois qu'elle a besoin, qu'elle a eu besoin de quelque chose dans notre passion commune, je suis là. Et c'est encore, Bouba a dit une chose importante, et Gaston, c'est un autre départ aujourd'hui. Parce que là, je couvre ma soeur. Je vais la couvrir. Merci, monsieur.